J'arrive à la ruelle, mais il y a un sacré paquet de gorilles armés. On dirait une rencontre entre dealers. Je déteste te la jouer bon flic, mais le devoir de tout citoyen est de s'interposer quand il est témoin d'un acte criminel. Ah, tu vois bien que tu veux que je tue des gens avec mes pouvoirs, finalement. J'ai jamais dit tuer. Tu les fais danser, tu leur fais un peu peur, et tu détruis leur stock. Delsine, j'ai entendu des tirs. C'est toi qui les as tués ? Je voulais juste faire mon devoir de citoyen, mais ils étaient déterminés à faire leur devoir de criminel. Bonne sieste.
Reg, tu devrais trop voir ça. Speedy Gonzalez est une graffeuse, et elle fait des trucs pas dégueux. Ouais, bon, n'oublie pas qu'elle tue des gens, ok? Et elle leur fait des trucs bien dégueulasses. Faut jamais laisser des bougies allumées sans surveillance. Elle a installé un joli petit hôtel. J'en viendrais même à dire que c'est touchant. Bah, touchant. Des fois, tu touches les clôtures électriques. Je dois admettre que cette meuf fait un méchant vortex. Et c'est le grand moment du clou du spectacle. Ok, elle est sérieusement ravagée. Ok, donc la meuf remonte des plateaux repas, elle s'installe en face de Brent le Néon et elle lui raconte sa petite journée, tout en faisant la dinette. Tu sais, Olaf a une boutique sur la rue Alaska. Il paraît qu'il a la plus grosse enseigne en néon de toute la ville. Eh, si j'avais des pouvoirs de néon et une maman gâteau, c'est là que je crècherais. C'est parti.